Mesdames et messieurs, bonjour. Irlande du Nord, la journée la plus tendue. Newry tout entière est quadrillée ce matin par l'armée britannique. On estime que le tiers de l'effectif total des forces de l'ordre et de sécurité en Irlande du Nord est réuni aujourd'hui autour de cette ville où doivent manifester cet après-midi des dizaines de milliers de catholiques. Des catholiques irlandais de chaque côté de la frontière, ceux de Newry au nord, ceux de Dundalk, d'où l'on partira tout à l'heure en cortège vers la ville voisine. Si l'on arrive à franchir les barrages tout au moins. Sur place pour nous, Jacques Segui. Ici Newry, à moins de 2 heures de la Grande Marche. Newry, investi depuis hier soir par 3 bataillons de l'armée britannique et 1 bataillon de journalistes qui, apprenant, je cite, que le monde entier avait les yeux fixés sur l'Irlande, sont donc arrivés dans les dernières 24 heures. Cette psychose entretenue, tant par la presse du Sud que par celle du Nord, donne ce matin un curieux résultat. Newry, qui se trouve dans le creux d'une vallée, est complètement enveloppé par le brouillard, et ceci n'est pas fait pour arranger les affaires des premiers manifestants qui arrivent par voiture, par autocar, arrêtés, contrôlés, fouillés 2 ou 3 kilomètres avant les portes de la ville. Pour le moment, le centre de Newry est calme, la plus grande partie de ses habitants ayant choisi d'aller passer le week-end très loin d'ici. L'armée est ainsi maîtresse du pavé. Elle a ses forces concentrées également aux différentes entrées de la ville, gardées, très souvent d'ailleurs, par des troupes UDR de Belfast. L'UDR, l'Ulster Defence Regiment, sont des formations paramilitaires protestantes rappelées depuis les derniers événements du mois d'août. Une partie de la sécurité confiée à ces régiments protestants, malgré la réserve actuelle de l'IRA, est le seul point inquiétant pour le moment. Ici, Newry, information première. Les appels des 2 premiers ministres, Heath, Grande-Bretagne, et Faulkner, Irlande du Nord, n'ont pas été entendus, donc la marche a été maintenue. Lors de l'entretien qu'ils ont eu à Londres vendredi, les 2 hommes d'État ont sans doute envisagé l'étape politique suivante pour le conflit. Si la situation doit encore s'aggraver, principalement aujourd'hui, cet après-midi à Newry, Londres prendra directement en main l'affaire de l'Ulster, au lieu et place du gouvernement actuel à Belfast. Mais l'opinion britannique est loin d'être tout à fait d'accord avec son gouvernement dans cette affaire, ainsi que le montre une manifestation qui s'est produite hier soir. La manifestation avait commencé dans le calme, elle était partie d'un quartier nord de Londres. Les manifestants marchent derrière 13 cercueils qui rappellent les victimes de Londonderry. Seulement, ces manifestants ont l'intention de déposer leur cercueil devant le 10 Downing Street, la résidence de M. East, le Premier ministre. Et là, ils se heurtent au barrage de policiers. Une première fois, les manifestants essaient de passer. Ils sont refoulés. Il y a, vous voyez, les barrières. La garde à cheval est là aussi pour essayer de les empêcher de venir. Ils jettent leur cercueil par-dessus les barrières. Et bientôt, on se bat. C'est une manifestation violente comme Londres n'a pas connu depuis 1960, la grande manifestation contre la guerre au Vietnam. Une charge des policiers à cheval pour essayer de dégager les manifestants, mais ils ne veulent pas partir, ils sont toujours là. Il y aura 90 blessés environ. C'est le signe de la nervosité grandissante en Grande-Bretagne devant ce problème irlandais. Une nouvelle fois, les policiers à cheval chargent pour essayer de dégager la foule. Les manifestants, qui sont maintenant environ 3000, vont se retirer vers Trafalgar Square et briser les vitrines. Voilà un manifestant que l'on emmène. Il y avait des manifestations. C'est Alain Cancès qui commentait ce reportage que nous envoyait à l'instant la BBC. 6 février, donc, qui sera peut-être un tournant décisif dans le conflit par les implications politiques qui vont suivre. 6 février, qui est l'anniversaire de la montée sur le trône de la reine Elisabeth. Il y a 20 ans, en effet. 2 décennies qui ont aussi marqué un changement d'orientation radical pour l'Angleterre. Davantage tournée désormais vers l'Europe, et encore plus ces dernières semaines, davantage tournée vers l'Europe que vers les pays du large, États-Unis ou pays du Commonwealth. Le 6 février 1952, on pouvait d'ailleurs en voir un signe avant-coureur. La cérémonie du couronnement d'Elisabeth II n'était-elle pas la première grande retransmission en Eurovision ?
Quelques mois plus tard, effectivement. Le 2 juin 1952, dans l'abbaye de Westminster, la reine Elisabeth II était solennellement sacrée reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Quelques mois plus tôt, le 6 février 1952, la princesse Elisabeth Alexandra Marie avait succédé à son père, le roi George VI, qui venait de mourir d'une suite d'une longue maladie après 16 ans de règne et que nous voyons ici aux côtés de Winston Churchill au palais royal de Buckingham. En 1947, le jour de son 21e anniversaire, la princesse s'était adressée au Commonwealth en ces termes: « Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu'elle soit longue ou brève, sera consacrée à votre service et au service de la grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. » Cette règle de conduite ne devait jamais être démentie. Depuis son avènement, la reine Elisabeth II a beaucoup voyagé, parcourant près de 10 fois le tour de la Terre, parfois dans des conditions difficiles, comme ici au Québec en 1964. Parfois aussi avec un grand retentissement, comme à Berlin en 1966, aucun souverain britannique ne s'y était rendu depuis 1913. Mais c'est vers le Commonwealth que ses voyages ont été le plus fréquents. Elisabeth II est ici avec les Maoris en Nouvelle-Zélande, c'était il y a 2 ans. Son règne verra pourtant l'effritement de ce Commonwealth, ce qui restait de l'Empire britannique pour lequel elle n'a jamais ménagé ses efforts. Un Commonwealth que tout récemment le Pakistan encore vient de quitter. En Grande-Bretagne, la popularité d'Elisabeth II reste constante malgré quelques critiques émises ici et là, à l'occasion par exemple du renouvellement de sa liste civile ou encore à cause des démêlés sentimentaux de sa fille la princesse Anne. La monarchie britannique est sans doute l'une des institutions les plus solides du globe avec ses rites et ses traditions, parmi lesquelles l'investiture du prince de Galles. C'était il y a 3 ans, c'était aussi le symbole de la continuité. Autre nouvelle du monde, Moyen-Orient, on va vers une relance de la négociation Yaring. Monsieur Waldheim, secrétaire général de l'ONU, de passage au Vatican hier, s'est entretenu avec Paul VI et à l'issue de cet entretien, il a déclaré qu'il croyait à la possibilité d'une solution politique au Moyen-Orient par cette procédure de négociation. Retour de Moscou, on l'a poussé, semble-t-il, à la modération. Le président égyptien Anwar el-Sadat vient de dire qu'il fallait laisser une chance à Gunnar Yaring. Et les Israéliens ne pourront pas, semble-t-il, refuser aux Américains une relance de la négociation. En effet, on apprend ce matin, officieusement encore, que Washington viendrait d'accepter de livrer à l'État d'Israël, dès le mois prochain, 132 appareils de chasse à réaction. Autre négociation, mais celle-ci dans l'impasse, celle sur le Vietnam. En effet, Hanoï, officiellement, vient de rejeter le plan de paix en 8 points du président Nixon. Hanoï reproche notamment au président des États-Unis de ne pas donner de date précise pour le retrait de ses troupes du Vietnam, dans le but, dit Hanoï, de maintenir un régime à la solde des États-Unis à Saïgon. Chez nous, la polémique sur la fiscalité, les impôts, l'avoir fiscal continue et va continuer la semaine prochaine. Je vous disais hier que M. Giscard d'Estaing a l'intention de faire dans la semaine un exposé devant l'opinion sur l'ensemble de la fiscalité en France et sur les problèmes qu'elle pose. Depuis cela, M. Mitterrand a répété qu'il rejetait, les socialistes rejetaient le principe de l'avoir fiscal. Il a comparé l'avoir fiscal hier à Lyon à ce qu'était sous l'ancien régime le droit de chasse des seigneurs. Et M. Ablin, centriste de l'opposition, député maire de Châtellerault, vient de prendre l'initiative d'afficher dans son hôtel de ville sa propre feuille d'impôt. M. Ablin est PDG et aussi administrateur d'une dizaine de sociétés. Cet homme, c'est Raoul Follereau, fondateur du comité d'aide aux lépreux. Il est aujourd'hui au Dahomey, où l'on célèbre, comme partout dans le monde, la journée mondiale des lépreux. Oui, les lépreux, ne vous détournez pas. La lèpre, qui frappe encore beaucoup d'êtres humains, il y a 15 millions de lépreux au monde. La lèpre, quand elle est prise à temps, est une maladie qui se guérit. En France, aujourd'hui, on compte 1 millier de lépreux, mais la plupart d'entre eux vivent normalement, comme par exemple dans ce village du Gard où a enquêté Serge Misseret. Dans la forêt domaniale de Valbonne, non loin de Pont-Saint-Esprit, se cache une magnifique chartreuse du XIIe siècle.
Presque chaque jour, depuis près de 30 ans, le docteur Gabaye fait le trajet de Pont-Saint-Esprit à la Chartreuse. Il y a là 47 pensionnaires touchés d'un mal dont le nom est aujourd'hui encore difficile à prononcer, la lèpre. De temps immémoriaux, la lèpre a été un mot qui cachait quelque chose d'horrible, et cette chose-là s'est incluse dans le subconscient des gens, à tel point que nos malades disent que la vraie lèpre, ce n'est pas eux qui l'ont, ce sont ceux qui la craignent. Je vais faire ma visite. Merci. À tout à l'heure. Cette visite, vous ne la verrez pas, car les malades ont pour la plupart, et pour des raisons que l'on comprend, refusé de se laisser filmer. C'est un cousin germain du bacille de Koch, le bacille de Hansen, qui est à l'origine de cette maladie. Contagieuse dans les pays sous-développés où l'hygiène fait défaut, la lèpre, si elle est prise à temps, peut être traitée et stoppée en 6 ou 8 mois. On dit alors que le malade est blanchi. Il n'est plus du tout contagieux. Grâce à un médicament découvert il y a quelques années, les sulfones, la lèpre n'est plus aujourd'hui qu'une maladie banale à laquelle on a fait pourtant une atroce publicité. Vous êtes à Valbonne depuis combien de temps? Depuis 16 ans. Toujours en traitement? Je ne suis plus en traitement depuis 9 ans. Vous êtes guéri alors? Oui. Et pourquoi restez-vous ici? Parce qu'on ne veut pas le prendre nulle part quand on demande du travail. Quand on dit qu'on est de Valbonne, on ne va pas se faire classer. Ce qui signifie que si vous en aviez la possibilité, vous quitteriez volontiers Valbonne. Volontiers Valbonne. J'ai de la famille à Paris et puis à Neuilly. Quand ils ont su que, avec la propagande qu'il y a eu à la radio pour la lèpre, ils ont cessé de m'écrire. Je n'ai plus de nouvelles, je ne sais pas si ma mère est morte, elle habite Soisy ce moment-ci. Alors, je suis seul ici. Voulez-vous que j'aille? Personne ne vient vous voir? Personne. Extérieurement à Valbonne, vous avez des amis? Ah oui, j'en ai à Saint-Paulet, j'en ai à Pont, pas mal. À Pont, il vous reçoit bien, il n'y a qu'un seul village ici, à Saint-Laurent-de-Carnol. Quand vous approchez du village, tout le monde se sauve. Et pourquoi se sauvent-ils? Ah, parce qu'ils ont peur de la maladie. Qu'ils viennent de France ou d'ailleurs, les malades sont tous accueillis à Valbonne sans distinction de race ni de religion. Ils y sont soignés, ils peuvent, s'ils le désirent, apprendre la ferronnerie ou la menuiserie. Ils peuvent surtout y vivre comme bon leur semble, s'installer dans leur chambre, y apporter leurs meubles, y faire leur cuisine. En ce sens, Valbonne est beaucoup plus un refuge qu'une clinique ou un hôpital. Refuge contre la société, refuge contre soi-même, justifié peut-être par la peur de se livrer. Volontiers. Merci. Les gens qui sont ici ont, dans leur ensemble, refusé de répondre. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ont des amis. Parce qu'ils ont des amis qui ne savent pas ce qu'ils ont et de peur de s'exposer à la télévision. Et vous, pourquoi avez-vous accepté de répondre? Pour que les gens sachent que nous sommes comme les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes malades et que nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des hommes, même droit et même devoir. C'est-à-dire, en retour pour les autres, tout simplement le devoir de les accepter parmi eux. Oui, des êtres humains guéris, normaux, mais en proie maintenant à cette deuxième maladie qu'est la défiance injustifiable des autres. Dites-le autour de vous, ce sera votre contribution à cette journée mondiale des lépreux d'aujourd'hui. Sapporo, les Suisses en vedette dans les disciplines alpines, avec hier la médaille d'or en descente féminine de Marie-Thérèse Nadig, avec ce matin 3 Suisses qui réalisent les meilleurs temps dans la descente non-stop. Descente qui est une sorte de répétition avant la véritable descente demain matin. Ces 3 Suisses sont Colombin, Russi, champion du monde et Trèche. Notons que Duvillard, le premier français, a fait le 8e temps, assez loin derrière, à 1 seconde et 20 centièmes du premier Colombin. En saut ce matin, un éclatant succès des Japonais avec un très beau triplé, fort applaudi par le public, au premier rang duquel l'empereur Hirohito. Oui, c'était au tremplin de 70 mètres, le tremplin de Miyao Nori. Piste d'élan 97 mètres, hauteur du tremplin à la sortie 3,30 m.
Nous allons assister au premier triplé asiatique dans l'histoire des Jeux, et c'est la première fois depuis 1948 qu'un même pays réussit ce triplé, après la Norvège, au tremplin. Troisième Seiji, Aoshi, 229 points. Nous le voyons ici au cours du deuxième saut. Le premier saut, il avait été crédité de 83,50 m. Ici, 77,50 m. Dans l'élan, vous l'avez vu, et nous allons le revoir, au ralenti, ce n'est pas tout à fait la perfection. Mais vous allez aussi assister à la progression de cette perfection au fur et à mesure que nous avancerons vers les premiers du classement général. Troisième, Aoshi. Kono, écoutez-le crier lorsqu'il quitte le tremplin. C'est un peu mieux, vous l'avez vu, surtout dans le parallélisme des skis au cours de l'envol. 234 points, un deuxième saut de 79 mètres après un premier saut de 82,50 mètres. Enfin, l'attendu, l'idole de tout le Japon, Kazaya, Yukio Kazaya, originaire de Hokkaido, employé dans une distillerie de whisky. Son ambition est d'ailleurs double puisqu'il veut remporter également le tremplin 90 mètres. Que dire de plus de Kazaya, si ce n'est qu'il a accompli à la perfection, depuis quelques mois déjà, cet exercice et qu'il est couronné normalement champion olympique. Un beau tiercé. Résumé complet de la journée à Sport Dimanche ce soir, bien entendu. Il y en a pour qui tout cela est au deuxième plan, j'ai l'impression, ce sont ceux qui s'appellent Gaston, Dorothée, Amand et Avit. Pensez donc, ce 6 février, c'est leur fête à tous. Saint Gaston, né en Dordogne vers l'an 450, a eu le privilège d'instruire Clovis avant son baptême, après quoi il a été fait évêque, évêque d'Arras, ce qui n'est pas loin de Soissons, mais on dit que Saint Gaston n'a rien à voir dans l'affaire du vase. Il dort donc la conscience tranquille. Bonne fête à vous, Gaston, Dorothée, Amand et Avit. Bonne fête et à tout le monde, bon après-midi.